Enfin, je vais pouvoir finir ma toile. Bonjour. Bonjour. Vous allez peut-être pouvoir nous renseigner en cherchant la plage. La plage, ici oui. La plage. Mais vous confondez. Vous n'êtes pas à Saint-Giron dans les Landes. Ah bon? Vous êtes à Saint-Giron en Béarn. Ah bon? Mais et qu'est-ce qu'on va faire alors? Ici, pas de plage, mais un joli village en milieu rural avec des paysages variés qui invitent à la promenade. Et si on allait faire une petite promenade pour l'île des environs? Ouais, bah d'accord, je te suis. En plus, il fait beau. D'accord, donc, on va profiter du soleil. Voilà, on va poser le dauphin et on y va. Allez, bien. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Bon, je vais pouvoir continuer ma toile. Aïe. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Le haras de Saint-Giron, s'il vous plaît. Le haras à Saint-Giron? Bonjour, madame. Bonjour. Vous êtes... Bonjour. Non, mais il n'y a pas de haras ici à Saint-Giron. Saint-Giron en Béarn. C'est Saint-Giron en Béarn que vous cherchez. Mais le GPS nous a amené ici. Oui, mais vous cherchez le haras de Saint-Giron dans l'Ariège, peut-être. Voilà. Eh oui. Et toi, plutôt que de regarder les cartes. Ben oui, mais toi, ton GPS, il marche quand une fois sur deux, oui, et dit voilà, ça nous amène ici. Maintenant, on est bien avantagés. Hein? Voilà. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Qu'est-ce qu'on fait les chevaux? Hein, à ton avis? Les cartes qu'on a fait. Oui. Et toi, tu étais à côté de moi, tu ne pouvais pas lui dire aussi. Mais c'est vous qui avez les cartes dans les mains. Oh, mais je rêve. Mais enfin, bon. Vous êtes à Saint-Giron, en Béarn. On devait se retrouver avec les autres là-bas. L'autre Saint-Giron est au-delà de Toulouse. Vous êtes à 250-300 km. Comme beaucoup d'autres villages, nous avons des élevages divers et des cultures de céréales. En plus, la fête du cheval, au mois de septembre, réunit les cavaliers de la région. Ah, vous pouvez faire une balade avec vos chevaux, on a une très belle randonnée équestre. Ah, ben ça, tout s'arrange alors. On va vous offrir une boisson. Bon, ben alors ça fait rien, on va faire la randonnée. À Saint-Giron, en Béarn. Béarn, bien, merci. Oh, mais voilà. Eh bien, on va se faire 5 km pour rien. Voilà, et ça, c'est de ta faute, avec ton GPS. Voilà. Et t'es comme moi, tu ne sais même pas t'en servir. Bon, merci, madame. Ben, merci, on va se garer. Oui, allez-y, garez-vous. Bon, cette fois-ci, je termine. Bonjour, bonjour madame. Bonjour madame. Bonjour madame. Madame, bonjour. Nous cherchons l'église Saint-Giron, s'il vous plaît. À l'exceptionnel, charpente de chêne en forme de double carène de navire renversé. Oh là là. On est perdu, ça fait une heure qu'on cherche. C'est l'église Saint-Giron de Monin. Nous sommes perdus. Oh, bon, nos mères, qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, on va essayer de. Ouais. Cette église, on peut la visiter. L'église Saint-Mathieu n'a pas la richesse architecturale de celle de Monin, mais elle vaut le détour tout de même.
l'église Saint-Mathieu, c'est ça. De Saint-Girons en Béarn. L'église Saint-Girons dans le Béarn. Ah oui, c'est joli de l'extérieur. Hein. Attends, c'est ma chérie de marche parce que tu vois. Voilà. Bon, cette fois-ci, je termine. On a bien fait de se tromper, je crois. Nous revoilà. Oui, alors c'était très agréable. Ouais, on a fait une superbe balade. Non, on ne regrette pas de s'être perdu. Voilà. Et de s'être trompé de Saint-Girons. Saint-Girons en Béarn, rappelez-vous dorénavant. Exact. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un gîte. Donc, voilà, on reviendra passer nos vacances à Saint-Girons, en Béarn. En Béarn. N'hésitez pas à prendre contact avec la mairie. D'accord. Très bien. Mais merci beaucoup, en tout cas. Encore merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Cette boucle finalement, elle est pas mal. On va faire tout ce tour là, tout ça. Ah, c'est pas mal. Finalement, on a bien fait de se tromper. Finalement, ma chérie, tu sais, on a bien fait de venir aussi. Hein? Oui, on a fait bien. Hein? Juste cette église. Hein? Oui, c'est mignon. Hein? Ah, tu vois, je ne regrette pas de venir. Hein, on n'a pas regretté de venir ici. Hein? Franchement, l'église, c'est joli à l'intérieur. Hein? J'en parlerai, tu vois, des amis. C'est mignon, vraiment, à l'intérieur et de l'extérieur. Ah, ces touristes, ils confondent tous les Saint-Girons. Le nôtre est situé à la limite des Pyrénées-Atlantiques et des Landes, dans le canton d'Orthez. Il y fait bon vivre et les touristes y sont les bienvenus.